Salut à tous, c'est Alès Gaming. Alors aujourd'hui, je voulais d'abord vous montrer ce que j'ai acheté à Paris Manga. Et normalement ce matin je devais faire un vide-grenier. Malheureusement j'ai pas pu faire un. Je voulais faire un montage, mais le problème c'est que là-bas il n'y avait rien et en plus le temps était horrible. Et là, comme par hasard, il fait soleil au moment où je rentre. Donc je suis un peu frustré, j'ai rien trouvé. C'était vraiment la pluie, je vous assure, c'est l'ennemi du vide-grenier, c'est l'enfer quoi. Voilà, je comprends maintenant les youtubeurs qui n'osent pas venir pendant qu'il fait ce temps-là. Ça va être l'hiver, ça va être compliqué. Il y aura moins en moins de vide-grenier en plus cet hiver, donc on aura moins de vidéos là-dessus. Voilà, mais je vous ferai quand même des vidéos d'achat de temps en temps. Voilà, et puis je continuerai des vidéos de base. Voilà, et puis quand il n'y a pas de souci, il y aura aussi un autre vidéo sur Paris Geek. Bon, je vous en parlerai dans une autre vidéo. Je ferai un petit vidéo là-dessus. N'attaquez pas là-dessus. Merci pour les abonnés qui s'abonnent un peu à ma chaîne. J'ai quand même 89 abonnés déjà. J'approche les 90. Voilà, on va bientôt atteindre le sommet, je sens. Voilà. Vraiment désolé. Je vais promettre à mes abonnés de faire une vidéo là-dessus. Mais malheureusement, c'est tombé à l'eau. Voilà. Vide-grenier à l'eau. J'en ai fait deux et que je fais d'habitude. Et il n'y avait rien et ils n'osaient pas sortir forcément avec ce temps. Et voilà. C'est la vie, c'est ça le vide-grenier quand il fait ce temps-là. Voilà pour cette parenthèse. Voilà. Bon, voilà. À part ça, qu'est-ce que je vais faire avant de vous présenter ce que je vais vous montrer? Pour ma chaîne YouTube, on va essayer de faire. On va continuer les présentations manga. Dans la semaine, je vais essayer de faire ça. Continuer vous présenter ça. Peut-être présenter des séries, peut-être que j'aime bien par rapport à les séries que j'aime bien. Je vous montrerai ce que je pense de la série, tout ça. Ça sera des vidéos que je ferai plus tard. Il faudra que je fasse une vidéo sur les PS2. Une préparation qui peut être assez longue. Donc j'en ai beaucoup beaucoup de jeux là. Il faudra que je vous fasse une vidéo si vous voulez bien que je fasse des vidéos là-dessus. N'hésitez pas à dire dans les commentaires. Voilà, puis il faut que je présente les jeux de PSP. Qu'est-ce qui me reste? Les PlayStation 1. Puis encore des Game Boy que je vous ai pas encore montré en boîte. PS Vita, bon, je vais vaguement montrer. Vaguement. Voilà, et puis il faudra que je vous montre mes consoles que j'ai dans ma collection. Bon, je peux pas vous montrer la PS4 par contre parce que ça sert à rien de vous la montrer. Mais je vous montrerai les consoles que je peux vous montrer. Voilà. Et puis on verra si on fera des vidéos. On verra cet hiver si j'en fais ou pas des vidéos. Parce que je vais peut-être faire moins de vidéos, peut-être. On verra. Ça va être un peu compliqué les vidéos, moi je vous le dis. Donc l'hiver, je vais faire moins en moins. Donc vous inquiétez pas. Même si je fais pas beaucoup de vidéos, je ne vous oublie pas, mes abonnés. Abonnez-vous quand même pour les gens qui n'ont pas vu mes vidéos, mes dernières vidéos. Ne vous attaquez pas pour l'hiver, c'est vrai que ça va être un peu difficile. Donc je ferai une vidéo de temps en temps, histoire que vous voyez quand même ma chaîne YouTube. Donc vous attaquez pas. Ça sera voilà, c'est pour vous expliquer aujourd'hui. Comme ça vous permettra que je vous fasse un petit résumé d'aujourd'hui. Voilà, on verra après avec la suite de ma chaîne. Vous attaquez pas. Je suis toujours là. Je n'oublie pas. Hein. Alors, c'est parti. Aujourd'hui, on était à la Fnac quand même. Je me suis acheté un petit DVD. Je vous montrerai après. Si vous voulez, je vous le montre maintenant. Avant de montrer Paris Manga. Voilà, je vous le montre. Alors, en fait, moi, là, je continue la série Game of Thrones. Donc, voilà, j'ai acheté la dernière saison. Ouais, je sais qu'il y a une 8e, mais elle n'est pas encore sortie. Je pense. Mais là, il y a la 7e saison. Il est à 30 euros au lieu de 35 euros. 36 quoi. Donc, je l'ai pris pour compléter ma collection Game of Thrones. Comme ça, je vais pouvoir les regarder vraiment de A à Z. Je suis très content de l'avoir, ce DVD. Je vous le dépisterai dès quand j'aurai tout vu la série. Donc, voilà. Voilà, Game of Thrones, qui ne connaît pas. C'est une excellente série. J'ai hâte de le voir. Malheureusement, je n'ai jamais pu voir celui-là. Donc ça permettra de le voir dès que j'aurai vu tous les Game of Thrones.
Voilà, pour les achats à la Fnac. Voilà, l'achat de main. Voilà, c'est comme ça. Et puis, oui, peut-être, je vous ai pas dit, la semaine prochaine, je ferai un vide-grenier normalement dimanche, si le temps va bien, si le temps veut bien. Et j'irai aussi à République. On va essayer de faire des achats là-bas. Donc ça sera une vidéo, je ferai une grosse vidéo vide-grenier et achat République, comme ça je vous compléterai une vidéo entière. Donc n'hésitez pas d'ailleurs dans les commentaires si vous voulez que je fasse une vidéo deux en même temps, ou alors je vous fais une vidéo séparément. Voilà. Voilà, pour ça aussi, je vous parler de ça aussi. Bon, alors je disais, on va commencer. Alors, j'ai pris un petit poster là-bas à Paris Manga. Franchement, Paris Manga, c'était énorme. C'était super beau. J'espère que vous avez aimé ma vidéo. Apparemment, j'ai vu, vous avez fait plein de vues sur cette vidéo. Continuez comme ça. Les gens qui n'ont pas encore vu ma vidéo, ça me ferait plaisir. Donc, en fait, je me suis pris un petit poster là-bas. Apparemment, c'est des gens qui dessinent vraiment des vrais trucs, quoi. Bon, alors, bon, il est un peu abîmé. Donc, voilà. Je me suis pris. En fait, c'est un. Comme vous voyez, c'est. Ça représente les personnages de gay. De Seigneur des Anneaux. Avec les dessins de Dragon Ball Z. Donc, je trouve ça énorme. Tellement joli. J'ai trop kiffé. Il m'a coûté 2 euros ce truc-là. Donc, voilà, je vais le garder. Je vais laisser pour l'instant. Je vais pas le diffuser. Malheureusement, je vais le laisser dans son emballage. Quand j'aurai un appartement plus grand, on va essayer de l'accrocher un jour. Voilà. Voilà pour ça. On va mettre là. Ensuite, j'ai pris deux DVD. Malheureusement, j'avais pas assez d'argent hier parce que j'avais pas encore mes sous sur mon compte. Donc j'avais pris ce que j'avais dans mes économies. Malheureusement, si j'aurais pris 4 DVD de 10 euros, ben, j'aurais eu un gratuit, un cinquième gratuit. Malheureusement, ben, j'ai pu prendre que deux parce que j'avais que 20-25 euros, quoi. Voilà. Donc, j'ai pris ce manga-là. Je l'ai pas vu à Paris, celui-là. Enfin, je crois qu'il est en Blu-ray. Donc, voilà, j'ai pris celui-là. Blue Prince Reader. Voilà, ce manga-là, j'espère qu'il est bien. Ouais, il est bien. On verra si j'ai le temps de le regarder. Quand j'aurai l'occasion, bah, ça me fera pas pour les vacances, ça me fera un manga pour mes vacances. Quand je serai en congé, je profiterai de le regarder. Ça me permettra de mon temps libre de le visionner, ce manga. C'est cool. Donc il a l'air sympa. Apparemment, ça a l'air de parler de personnages amoureux, tout ça. Ça a l'air sympa. J'ai hâte de voir ça. Et enfin, j'ai pris celui-là. Ce manga, ça s'appelle. Slana, je crois, ça s'appelle. Apparemment, ça a l'air d'être. C'est un manga qui a l'air d'être public averti, apparemment. Je ne l'ai jamais vu en magasin. Donc, quand je l'ai vu, j'ai dit, ah, je ne l'ai pas. Forcément, je ne l'ai pas, ce manga. Donc, j'espère qu'il est sympa. Assez joli, je crois. Et en plus, ce petit logo, très connaissable. Donc, j'espère qu'il est sympa, ce manga. On le verra aussi pendant les vacances. Quand j'aurai du temps libre. Voilà. Bon, voilà. Pour cette vidéo, malheureusement, vraiment rapide. Donc, voilà. On va, semaine prochaine, on va faire ça. On va essayer de faire des achats à République. J'ai gardé un peu sous de côté. Voilà. Comme ça, moi, je vous ferai une vidéo achat. Vide-grenier. Peut-être achat à République. À Paris, je vous montrerai des images là-bas. Vous verrez à quoi ça ressemble République. Les abonnés ne connaissent pas, bien sûr. Si vous connaissez pas Paris, vous habitez ailleurs, vous verrez les boutiques, je filmerai, je renvoierai des images, c'est sûr. Voilà. Voilà. N'hésitez pas à mettre un like si vous aimez cette vidéo. Abonnez-vous si vous ne l'avez pas fait. Mettez la petite cloche pour recevoir mes vidéos. Et puis dans la semaine, je vous ferai une vidéo sur au moins une vidéo. Sors mes présentations de ma collection de manga et je vous ferai un résumé comme d'habitude, la partie 3. Voilà. Alors, merci pour avoir écouté cette vidéo. Merci pour les commentaires et tout le reste. Et voilà. À la prochaine et allumez vos consoles. Ciao.